Je voulais juste vous rappeler que Yale existe et que le nier est profondément raciste. Et je vais vous expliquer pourquoi. La construction du genre, c'est-à-dire la séparation absurde entre l'homme et la femme, est une construction occidentale, instrumentalisée par le patriarcat blanc pour oppresser la femme. Notons que c'est la même idéologie de violence qui mènera à l'idée de suprématie blanche. Et on va continuer. Comme je vous ai dit, la différenciation des genres est surtout occidentale, vu que d'autres sociétés, indigénistes et antiracistes, notamment des sociétés africaines fondées sur le matriarcat, et donc égalitaires, n'avaient pas la même construction du genre. On était sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Ainsi, refuser le terme Yale, c'est la continuation du colonialisme et de la suprématie blanche. Nier Yale, c'est aussi un moyen de continuer la soumission des femmes. C'est donc sexiste et bien évidemment queerophobe. Et si vous me dites que j'ai tort, je vous signale que je fais des études en sociologie. Donc je sais de quoi je parle. Au revoir.